pour participer, pour compatir aux malheurs qui ont touché nos semblables. Seigneur notre Dieu, ce que nous pouvons seulement te demander, que tu puisses recevoir les âmes de nos frères et sœurs qui nous ont quittés. Reçois-les dans ta lumière, reçois-les auprès de toi, là où il n'y aura ni pleurs, ni grincement des dents. Et aux familles restantes, Seigneur, Dieu de bonté, plein d'amour, fais poser ta main sur elles, afin qu'elles puissent toujours avoir confiance en toi, pour qu'elles sachent que tu es Dieu, tu nous aimes tant, malgré des pleurs, tu continues à être notre Dieu, et nous continuerons toujours à prier, à demander ta bonté sur nous. Nous t'envoyons ainsi prier au nom de ton Fils Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour le siècle de siècles. Amen. L'ambassadeur Mangele Sirubasa, il va le faire pour les comptes des confessions religieuses des autochtones ou PV à l'homme. Zambé tata mokeli ya bilaka, Zambé ya bakoko na biso, Zambé yokaki mongongo ya bangunza balelaka na mboka oyo, Zambé ya kimpa vita, Zambé ya bantoma ya basakoli ya batindami, Zambé ya bilaka. Ya solo uta omoya moto na se na mokili, yo pesaki biso mbula oyo ezalaki lipamboli. E boni boni mbula eko makole la bana ya bato. Zambe ya bakoko na biso, mokolo ya lelo to sangani na esika o babengi Palais du Peuple. Poto lela mawa na yo, na bandeko na biso, oyo basili kotika biso. Zambe ya bakimpa vita, Zambe ya mfumu kimbangu, Zambe oyo ya motinda mite ya mwanjite. Nzambe mokeli ya solo, yoka libota oyo moko moko esili kobungisa bandeko. Tika te mwana moko na moko awiti kotika biso. Tata mokeli, pesa ye esika ete oyo ebongisamaki, esika ya kombo ya nguya mpe ya solo. Mokolo oyo ekokoka, kelelo ekobeta, nde okokisela bango mpe opesa bango esengo. Zambe na ngonga oyo, maemanso na mboka oyo, totiki tata mokonzi ekolo, totiki mboka oyo na maboko na yo. Yo lobi ekolo oyo ezali makasi, yo nde otelemaka po pesa nguya. Zambe ya bangunza, Zambe ya mokili, tika te ngolu na yo moko ya lelo le 20 esika ya Palais du Peuple, elembo oyo ya kokanisa bayo batiki biso. Kimia na yo epesama na mboka na biso, kimia na yo epesama na mokili oyo, po te batu bayeba lelo mokili mibimba ebi Kongo ezali kolela. Tika te otangisama ya miso lisusu te, me opesa kimia ya boboto oyo bakoko na biso balelaki. Zambe na biso, mayo ya kosenga otosengi te, yo yebi posa ya mokili na biso pe ya mboka na biso pe ya moko na moko. Nde tobondeli na kombo ya bakoko na biso, na kombo na yo Fungu Tulendo, na kombo na yo Zambe mokeli, na kombo na yo Wamba wa Mpungu wa Tulendo. Tika te okokisa na yo, opesa kimia na kombo na bino bamibikisi, na kombo na bino Zambe mokeli, tolobi bongo. Ingeta, 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 maton. Mm-hmm.
alors que l'évêque général Issei Dodo Kambabadangana s'approche, nous demandons que la chorale puisse pouvoir passer à l'intermède musical. Plaise à chacun de nous en ce moment. Qu'il plaise à chacun de nous en ce moment d'élever légèrement le main pour prier les dieux créateurs. Nous sommes en sa présence, chacun relativement à sa foi, chacun à ce qu'il croit. Mais nous sommes unanimement d'accord qu'il existe un Dieu créateur qui a fait exister tout par sa main et par sa volonté. Que nous nous approchons du trône d'Adonai, le Dieu créateur, pour implorer sa grâce. Ceci me rappelle encore de ce qui a été décrété comme deuil, et afin ces cultes, je me souviens de David, roi d'Israël, qui, le jour où il a vu son peuple en train de mourir, 2 Samuel chapitre 24, il est allé prier avec ceux qui étaient avec lui. Il a imploré Dieu de ce que les hommes mouraient. Ô Dieu Tout-Puissant, ceci est venu de la pensée de l'autorité, ton serviteur, le chef de l'État, et les membres du gouvernement d'accord, et toutes les autorités qui gèrent les institutions après lui, ils se sont convenus que cela valait la peine qu'on se réunisse, non seulement pour la prière le dernier jour, mais qu'on puisse s'apitoyer de toutes ces familles éprouvées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est à ces termes que nous sommes là, en présence des familles éprouvées en ce moment. Il n'y aura rien qui pourra remplacer ces hommes morts et partis. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut consoler les familles ici présentes. Dieu Tout-Puissant, console leur cœur, donne de la force au chef de l'État qui enregistre en ce jour quelques morts de plus dans son pays. Dieu accorde la paix à son cœur. S'il faudrait me référer aux visions qui ont été données, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il y a autour de la nature. Il y a aussi des combats et plusieurs choses qui arrivent à l'improviste. Mais nous te prions, Dieu, de donner la paix à notre pays. Que notre nation arrête d'enterrer ses fils. Oui, il est appelé à tout le monde, il est donné à tout le monde de naître et un jour de mourir. Mais Seigneur, donne encore une longue vie à ceux qui espèrent en toi.
Accorde à notre nation de vivre les jours meilleurs, de penser à tes bontés, à oublier la peine, à oublier la souffrance. Ô notre Dieu, c'est avec douleur que nous formulons cette prière. Seigneur, je fais la somme de toutes les prières dites ici en ces lieux. Nous croyons fermement que seule ta main peut arrêter la tragédie. Seul ton amour peut compenser à toutes ces douleurs, à toutes ces souffrances. Exauce la prière de tes serviteurs. Nous nous accordons à toi, ô Seigneur. Nous pensons aux jours meilleurs. Nous pensons aux années de témoignages où nous dirons « Pareille chose ne viendra plus jamais. » Merci d'exaucer notre prière. Merci d'accorder la paix à nos cœurs. Merci au Seigneur de consoler les familles et de donner la force au chef de l'État et à tout le gouvernement et toutes les autorités qui compatissent aujourd'hui autour de ces familles. Merci de nous exaucer. Nous demandons le Saint-Esprit, le Consolateur, à couvrir le ciel de notre pays et de nous donner le jour meilleur, le jour de repos et de grâce. En cela, nous disons, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, gloire et louange à toi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous acclamons en disant, tu permets toutes choses et à toi seul soit la gloire et l'honneur. J'invite le protocole pour un instant avant que je vienne clôturer. Nous invitons le couple présidentiel à bien vouloir déposer sa couronne des fleurs en mémoire de toutes les victimes en qui nous nous recueillons en ce moment. Pendant que toute l'assistance est priée de se lever, s'il vous plaît. Avancer pour le mot de remerciement au nom de toutes les familles endeuillées. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le membre du gouvernement national, Monsieur le membre du gouvernement provincial, distingués invités, tout protocole confondu. Excellences, Monsieur le Président, au nom
de tous les membres des victimes, de la famille de toutes les victimes du 1er, du 12 décembre, la nuit du 12 décembre au 13 décembre. Je voudrais ici remercier le président de la République pour ce geste combien louable qu'il a pu écourter son séjour aux États-Unis pour venir compatir avec ses compatriotes. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République. Permettez de m'exprimer en lingala pour une bonne audition. C'est parce que parmi les membres de familles victimes des pluies diluviennes du 12, de la nuit du 12 au 13 décembre, Mokonzi Ngai Lokola, représentant Yaba famille Nyosoana, na pesio merci mingi Mokonzi, na lolenge osungi biso, na misolo pe otiki biso de, ozali na biso o décrété deuil national na mboka pendant 3 jours. Totondio botondi na geste osali biso pe Mokonzi pona koyebisa yo ete ozalaki na biso osungi biso na misolo ba enveloppe tozwi yango kasi mabota ezali na pasi lelo oyo tozali koloba mabota ezali na libanda na balabala. Tosengi na yo papa kotika biso te, o akompanye biso tina suka po lelo tozwi opportunité ya kokutana na yo face à face. Papa kotika biso te. Tala lolenge bana mike bakufi. Soki ozalai na mama ye mongai mutu na pasaki journée mobimba na mama ye mo komona lolenge bana oyo ya yo bakoko. Ba mama ndenge bazali kokotsa bango na morgue eza mawa mingi. Pe papa kotika biso te. Ozalaki na biso, ozali na chef à gouvernement. Akoka kosunga biso. Yo ozana mama, mama azali motema malamu, mama asistaka mabota. Na okiko pesa ba exemple awa libosote po mokili mobimba eyebi lolenge mama Denise Tshisekedi azali kosunga pe sunga biso. Mabota eza libanda. Na misolo pesi biso, toko kako tonga tabanga. Tobomba libota na yo. Oyo eza libanda. Kotika biso te papa. Sunga biso, pesa biso ata site. Na nivo ya ba kimpoko kuna, toko kende, eza bisika. Na mwa misolo miketo za nango, ewo kiko sunga biso, toko kako tonga. Mwa banga yango na profite na opportunité yo pona ebisa yo soki okosenga ke délégation na biso oyo ya ba famille ya ba victime wana tokoka ko kutana nayo tozali prêt po tokutana nayo po o accompagner biso papa kotika biso te. Merci, je vous remercie.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, membres de famille, frères et sœurs, chers compatriotes, la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a eu un temps pour le deuil, il y a eu un temps pour un culte, pour rendre culte au Père Céleste, qui a estimé bon de rappeler à lui nos compatriotes dans cette circonstance-là, qui n'était pas appropriée, et puisque la vie est un don qui vient de lui, et aussi c'est presque un contrat d'existence à durée indéterminée qui nous lie à lui, il a trouvé bon de recevoir auprès de lui les âmes de nos compatriotes. C'est comme ça que nous lui demandons, au regard des prévisions, des prédictions que le prophète Dominique Condempolo a donné ici, qu'il ait de la compassion pour cette nation qui est la sienne, le pays que tu lui as dédié pour en être le roi, pour en être le chef, qu'il use de compassion, lui qui maîtrise les temps, lui qui maîtrise le climat, qu'il puisse écarter de la RD Congo d'autres catastrophes de ce genre-là. Nous en avons déjà assez. Nous plairons chaque jour qu'il ait compassion de cette nation qui est la sienne, qu'il accepte d'assister cette nation et surtout de l'accompagner, vous personnellement, dans la lourde responsabilité qu'il vous a confiée de présider aux destinées de notre nation. Que ce Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu des alliances, puisse pouvoir déverser sur votre personne sa faveur divine pour pouvoir remplir convenablement et complètement la mission qui est la vôtre. C'est par ces paroles que nous demandons à l'assistance de se mettre debout pour permettre au couple présidentiel de pouvoir retourner après que le culte ait été terminé. Cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Mesdames et messieurs, vous qui suivez la radio-télévision nationale congolaise en direct du Palais du Peuple, le président de la République a déposé sa gerbe des fleurs pour honorer ces personnes décédées après les inondations qu'a enregistrées Kinshasa dans la nuit du 12 au 13 décembre dernier, des pluies diluviennes qui ont ravagé tout sur leur passage. Plusieurs morts ont été enregistrées et aujourd'hui, le président de la République a tenu personnellement à venir ici au Palais du Peuple pour participer à ces cultes écuméniques en mémoire de ces âmes perdues des suites de ces pluies diluviennes. C'est le moment de se poser la question de savoir qu'est-ce qui devra être fait très prochainement. Le représentant des familles éprouvées a demandé le soutien du gouvernement pour qu'ils retrouvent des abris dignes de leur nom. Ils sont dehors pour l'instant, ils ne sont pas seuls, ils sont nombreux qui ont perdu leurs habitations après ces pluies qui se sont abattues sur Kinshasa. C'est des scènes qui sont assez régulières sur la ville de Kinshasa ou à travers la République après les pluies. Il faudrait donc que les urbanistes réfléchissent profondément, fassent des propositions au gouvernement de la République, aussi bien qu'au gouvernement provincial, pour que des dispositions sérieuses soient prises afin d'éviter ce genre d'événements tristes qui arrivent. Il est certes vrai que la pluie est imprévisible, les calamités naturelles sont inhérentes à la vie des hommes sur la terre, mais il y a des choses bien entendu qui peuvent être évitées si des dispositions urbanistiques sont prises. Des constructions dans les vallées, sur les montagnes, sans être accompagnées par les spécialistes de l'environnement, les spécialistes de l'urbanisation. On ne peut s'attendre qu'à des conséquences fâcheuses. C'est arrivé plus d'une fois à Kinshasa et je crois que cette fois-ci, les responsables qui ont en charge la gestion de ce secteur vont se mettre sur la table, vont discuter et vont prendre des décisions courageuses, des décisions qui peuvent pour le moment faire mal à certaines
population de certains endroits, mais il faudrait bien que cette décision soit prise. On est en ce moment en train de décrier les constructions anarchiques qui se constatent sur la rivière Makelele à hauteur de l'hôpital Kitambo. C'est des constructions qui, à la longue, vont créer de nouvelles inondations quand les pluies viendront, les années à venir, les morts s'en suivront. Il faut donc à présent les autorités de la ville prennent des dispositions sérieuses pour éviter que ce genre de construction ait lieu dans Kinshasa. Si on visite toute la ville de Kinshasa, on peut bien dire qu'aux alentours ou le long des rivières, les rivières qui ne sont pas curées, déjà une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des endroits qui n'étaient pas indiqués pour recevoir des constructions importantes. Maintenant, toutes ces places sont envahies par des habitations non urbanisées, il n'y a pas de canalisation d'eau. Tout ça fait que des pluies importantes, quand elles s'abattent sur Kinshasa, il y a des morts qui s'en suivent. Pour l'instant, le président de la République s'est incliné. Il est donc là en train de repartir. Il a réconforté les familles éprouvées qui ont dit tout leur remerciements au président de la République, qui ont dit toute leur gratitude. Mais en tout cas, pour l'instant, ce sont les obsèques qui vont être organisées et que le gouvernement de la République, le gouvernement provincial, se mettront aux côtés des familles pour les accompagner dans cette dure épreuve. Mais prochainement, il faudrait des décisions courageuses et il faudrait des mesures à long terme pour éviter que ce genre de catastrophe ne surprenne les paisibles citoyens qui n'attendent que l'ordre des pouvoirs publics pour se mettre sur des terrains moins accidentés. Manu Mambouine. Il y a solo Edith Chalandengo au Chikoloba, ce qui est bien en Bamukundi Kinshasa. Ma kama maiki bazali kokoma ce qui me pela ebeti ezali pona nini. Okomona mwa terrasse ya muke Edith Chala. Mbula ebeti population et si kabazwa ordure te salité ba bwaka na poubelle ba ko bwaka ngona terrasse. Terrasse kanga mai maele mai ele ka ezate bo soto etondi na kati ya terrasse mai ekomi koleka na balabala mai ekomi koleka na bandako. Ya solo pona dikambo o tsiri pe ko beta sete na ba bourgmestre. Ba bourgmestre ba sengeli ko yeba ndenge nini ba komini na bango ezali ko tambola. Mingi mingi ba chef ya quartier. Kala kata zali ko mona ba chef ya quartier et dikati kabazala kali susute. Ba chef ya quartier bo sengeli ko telema. Tango nyonso likambo etali salongo chaque samedi kosala salongo na babalabala kolongola bosoto kati ya batelase kolongola zelo etondi kati ya batelase pamba te mai tokomi komona mai badi kozanga nzela ya koleka okomona mai ekomi kokota ya bato mapango mai ekomi kokota ya bato bandako yango mpe ezali kosala komema makama kobuka bandako kobuka banzela ya solo population esengeli moko na moko ayeba esika ezali kovanda atia yango bopeto soki sali bosoto ezali bwaka bosoto na yo na poubele soki bosoto ezali bwaka soto sika esegeli ezali tete mwa mpela moke ebeti bobimisi fulu kobwaka na babalabala kobwaka na telase yango ezali kokanga nzela mayele mai maleka ezali te okomona mai ekoteli bato na mapango mai wana ezali kovanda ezali kovanda ezali kolembisa bibaka tozali komona mandako ezali kokoya ezali komema makama ndenge na ndenge ya solo babukumese bakomini inso tukumbaela ye ndengo bamokondi Kinshasa esengeli botelema botelema bozongisa likambo etali salongo mokolo nyonso ya poso ya poso na poso bato batelema mana barabara kosala salongo kolongola bosoto kati ya nzela kolongola bosoto kati ya talase po ete makama ya lolenge loye esala malisusu te mpe bandeko banso bakotongaka mandako esika elonga bani te ke batonga mandako bazali kotonga mandako manso mana ezali komema makama ndenge na ndenge baburgmestre bofongola matoi na bino boyoka esengeli mpenza botelema po ete makama mayema azalaka lisusu te keta rachel Tuas kila ya mami, banaji ba chonja jitunga, ngene mejwa se tu chukunde kelu kwa chipilu cha jitungu jalelu. Mpanyi ma pa misa hanine na disambile jenzela, bafo bonso, badibika la bafo kunju ya mvulamu kwa la mvulamu kwa la mchipinga cha kinja sa, mdia bafo kutuku mine asatu, mweje uwe wa jikumi, anu, wasefu mwaji tumeta kongwa mwala ta, Felix Antoine Tsikachilombo, kwa vuma kule kele mekwa chana na nasha, kwa luka mwakidia mami mazambi, kwa kumwa kutendelela, nikushia anyi Maya baba ni bafo amu biaza bia mulo pomo weza nangila pashisha kuteka di bendela di akongo amu na tuku jubandisha wase midumu ituaji japani mepa majilu matuku satu feza kalungula Kwa kidi la Rachel Keta ni kusema kwamba raisi wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo anatoa kabisa kuomboleza familia ya washahidi walio
tana musiba maji ya mvua yote haya ni kutokana tu na majengo isiyo stahili mahali ambapo inastahili kujengwa wanajenga nyumba kwa kujua kusema kwamba mimi nina lupango kisha sasivyo kama tunakamata kabisa tabia ya kusafisha mahali ambapo tunakaa tuache kutupa uchafu katika mifereji tuache kutupa uchafu barabarani tutengeneze mahali ambapo tunakaa misiba yote hii tutaweza kuepuka ndio naomba kabisa kwa wenye mpala wa mitaa waangalie kabisa neno hilo na kuangalia wa viongozi wa mikoa mbalimbali kwa kuweza kuchunguza kwa kuepuka tu misiba namna hii isirudie tena mara nyingine Ma tout le monde m'appelle le solo, bête banda kambote, bête pimesuki sambote, bubuyai, kinzi, yakukabula mpasi, namabute kufila kabantu, namfula yanokaka na lungu ya kumi na zole, samuna kukota, na mpimpa, samuna kota na lungu ya kumi na tatu, ya ngone bête kena yao, yai ya pesaka lufwa, namabuta mingi, nefumu ya isi, felisatua sike chilombo, sola kalumbu ya bubu yae samu na kusala misa ya kufutila matondo na mfumu nzambi pe ya kukabula mpasi na mabuta yae tala nkinzi ya ngome kusalutila mbote awa na nganda ya paledi pepe kisika ba mabuta yonsu ya kufilaka bantu baku saka kumonesa luse na bao awa ya wina betu kandaka mbote kumi sukisa mbote fumu ya isi meba kanzila samu na kufutuka wape pe kabula mpasi pe na mabuta yonsu. Merci de nous avoir suivis depuis le Palais du Peuple où le président de la République s'inclinait devant la mémoire de ces plus de 100 personnes qui ont donc perdu la vie dans la suite des inondations intervenues à Kinshasa après les pluies de la nuit du 12 au 13 décembre dernier. La télévision nationale congolaise était donc présente pour vous retransmettre en direct ce dépôt de fleurs du couple présidentiel. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision du Peuple. Oh,